septième édition du Forum d'association, une grande réussite. Plus de 82 associations présentes, représentées sur l'avenue François Mitterrand. C'est la récompense d'un travail qui a été mené depuis de nombreuses années pour accompagner le mouvement associatif. Et au lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques, eh bien, ça permet de voir que nous sommes vraiment dans une vraie démarche aujourd'hui associative, mettant en valeur le sport, mais également les athlètes et surtout les bénévoles. Et je crois qu'à Limoux, on peut avoir cette fierté d'avoir d'abord un tissu associatif important, 220 associations sportives, culturelles, caritatives, des milliers aujourd'hui, on peut le dire, de bénévoles qui s'investissent et qui font vivre notre ville. Et aujourd'hui, moi, je suis fier d'avoir salué un par un tous les stands où étaient présents les associations, où étaient présents les bénévoles, et leur dire que notre ville, aujourd'hui, leur doit beaucoup dans cette attractivité, dans ce dynamisme, dans cette diversité que l'on peut offrir à nos populations. Et je dirais que grâce à elle, eh bien, ça permet aussi d'inviter d'autres concitoyens à venir s'installer à Limoux. La rentrée sportive, eh bien, elle est annoncée aujourd'hui. Et je crois qu'au travers des Jeux Olympiques et de cet engouement qu'il y a pu avoir, c'est de ces médaillés qui ont été aujourd'hui honorés, eh bien, c'est tout le pays qui est fier de cela. Et quand on est une ville sportive comme on l'est, eh bien, on comprend de suite l'importance de ce qui est quelque part le résultat des athlètes et bien sûr des sports représentés. Et sur le plan aujourd'hui international, grâce aux Jeux Olympiques organisés à Paris, nous avons encore une visibilité plus importante si cela était nécessaire. Mais quelle richesse aujourd'hui nous avons pu recueillir grâce à tout cela, sur le plan d'une culture particulière au travers de la mise en exergue de l'ensemble du patrimoine. Et bien, c'est ce qu'on fait aussi à Limoux, puisque la semaine prochaine, après ce forum des associations, eh bien, ça sera aussi les journées du patrimoine qui nous permettront de mettre en valeur quelque part tout ce qui est essentiel ici et authentique dans cette ville. J'ai entendu le président de la République qui annonçait une grande fête maintenant annuelle à partir du 14 septembre. Eh bien, peut-être qu'il a pris exemple sur la ville de Limoux, puisque ça fait maintenant quelques années que nous organisons d'abord ce forum, mais également ce trophée des sports qui aura lieu au mois de novembre pour récompenser encore une fois tous ceux qui s'investissent au quotidien pour faire vivre agréablement notre ville.